Horreurs comportent souvent leur dose d'ironie. Parfois composante incontournable des événements, elle ne tient d'autrefois qu'au caractère arbitraire de leur manifestations parmi les gens et les lieux. Cette dernière catégorie trouve un exemple splendide dans une affaire qui a touché la vieille ville de Providence, où, vers la fin des années 1840, Edgar Allan Poe séjournait souvent. Alors qu'il faisait vainement la cour à l'excellente poétesse Madame Whitman, Poe descendait en général au manoir, établissement de Benefit Street qui avait accueilli Washington, Jefferson et Lafayette sous le nom d'auberge de la Boule d'Or, et sa promenade de prédilection le faisait remonter cette même rue vers le nord pour se rendre chez Madame Whitman et juste à côté, dans le cimetière de Saint John lieu discret à flanc de colline dont les nombreuses tombes datant du XVIIIe siècle exerçaient sur lui une singulière fascination. C'est là qu'intervient l'ironie. Au cours de cette promenade maintes fois répétée, le maître mondial de l'horreur et de l'insolite était obligé de passer devant une certaine maison située du côté est de la rue, une vieille bâtisse miteuse accrochée à la pente abrupte de la colline, et dont le jardin négligé remontait au temps où les environs n'étaient pour ainsi dire que vastes étendues herbeuses. Il ne semble pas que Poe ait parlé de cette maison, ni qu'il ait écrit à son propos. Il n'y a même aucune preuve qu'il ait remarqué son existence. Et cependant, pour les deux personnes qui possèdent certaines informations à son sujet, elle égale et surpasse même en horreur les inventions les plus délirantes du génie qui, sans le savoir, Passait si souvent devant. Pour ces deux personnes, sa silhouette frappante, menaçante, symbolise tout ce qu'il y a de plus hideux en ce monde. Cette maison était, et demeure, du genre à attirer l'attention des curieux. À l'origine une ferme, au moins en partie, cette bâtisse respectait la norme des maisons coloniales cossues du milieu du XVIIIe siècle. Toit à double pente, un étage surmonté d'un grenier sans lucarne, perron d'influence géorgienne, boiseries intérieures de rigueur suivant les goûts esthétiques de l'époque. Le pignon faisait face au sud. La façade est de la maison était enfoncée jusqu'aux fenêtres du rez-de-chaussée dans la pente montante de la colline, tandis que la façade opposée, côté rue, était exposée jusqu'aux fondations. Sa construction, il y a plus d'un siècle et demi, avait fait suite à l'aplanissement et au redressement de la route dans le voisinage immédiat, car Benefit Street, à l'époque où elle portait le nom de Back Street, serpentait entre les cimetières des premiers colons, et son tracé ne fut rectifié qu'une fois les corps du cimetière nord déplacés, ce qui permit de traverser les vieilles concessions sans offenser personne. Au début, le mur ouest se dressait plus de six mètres au dessus d'une pelouse qui descendait jusqu'à la route. Mais l'élargissement de cette dernière, à peu près au moment de la Révolution, rogna presque tout l'espace intermédiaire, ce qui exposa les fondations, de telle manière qu'il fallut construire un soubassement de briques. La cave profonde donnait désormais sur la rue. On la dota d'une porte et de deux fenêtres au-dessus du sol, non loin du nouveau tracé de la rue. Lorsqu'on ajouta le trottoir, il y a un siècle de cela, la pelouse disparut complètement. Poe, lors de ses promenades, ne voyait qu'un mur de briques grisâtre au ras du trottoir et surmonté, à trois mètres de haut, par la vieille maison à proprement parler avec ses grands murs couverts de bardeaux. Derrière le bâtiment, le terrain d'aspect agricole escaladait la colline. Il s'étendait jusqu'à Wheaton Street. La partie située au sud de la maison et attenante à Benefit Street dominait évidemment très nettement le trottoir, et formait une terrasse dont la haute bordure de pierre humide et moussue était percée d'un escalier raide et étroit, qui s'enfonçait dans la butte à la manière d'un canyon, pour rejoindre le terrain surélevé, avec sa pelouse galeuse, ses murs de briques suintants et ses jardins à l'abandon, dont les vestiges d'urnes en ciment, les bouilloires rouillées tombées de leur piédestal en rotin, entre autres bazars, servaient de cadre à la porte d'entrée malmenée par les intempéries, à l'imposte brisée, flanquée de colonnes ioniques pourrissantes et surmontée d'un fronton triangulaire infesté de verre. Dans ma jeunesse, j'entendis seulement dire de cette maison que les gens y mouraient comme des mouches. C'était pourquoi, m'expliqua t-on, les premiers propriétaires avaient déménagé une vingtaine d'années après l'avoir construite. Elle était visiblement malsaine, peut-être à cause de l'humidité de sa cave, des champignons qui y poussaient, de l'odeur fétide qui régnait dans toute la demeure, des couloirs pleins de courants d'air ou de la mauvaise qualité de l'eau du puits. Ces raisons étaient amplement suffisantes, et les personnes de mon entourage préféraient s'en contenter. Mais ce sont les notes de mon oncle passionné d'histoire, le docteur Elihu Whipple, qui me révélèrent en détail les hypothèses plus sinistres, mais aussi plus vagues, alimentant la rumeur chez les domestiques et petites gens d'antan. Des hypothèses qui ne transpirèrent guère hors du quartier et furent en grande partie oubliées quand Providence devint une métropole moderne à la population constamment en mouvement le fait est que la plus grande partie de la communauté ne considéra jamais cette maison comme véritablement hantée aucune rumeur de bruit de chaînes ne courait à son propos pas plus que d'histoires de courants d'air glaciaux de lumières éteintes ou de visages apparaissant aux fenêtres tout au plus disait-on parfois d'elle qu'elle portait la poisse le seul fait réellement incontestable était qu'un nombre effrayant de gens mourait entre ses murs ou plus exactement était mort. En effet, par suite d'étranges événements remontant à plus de soixante ans, la maison était restée à l'abandon, puisqu'il était devenu tout bonnement impossible de la louer. Les victimes n'étaient pas toutes mortes de mort violente, ni de la même façon. Il semblait plutôt que leur vitalité eût été insidieusement sapée, de sorte que chacune finissait par décéder de quelque faiblesse naturelle. Quant aux gens qui ne mouraient pas, ils souffraient, à des degrés variables, d'anémie ou de tuberculose, voire parfois d'un déclin de leurs facultés mentales. Tout cela montrait bien l'insalubrité de la bâtisse. Il faut préciser que les maisons voisines, quant à elles, ne semblaient pas présenter la moindre nocivité. Voilà ce que j'avais appris avant que mes questions incessantes poussent mon oncle à me montrer les notes qui nous conduisirent tous deux à mener une bien hideuse enquête. Dans mon enfance, la maison maudite était déserte, entourée d'horribles vieux arbres stériles et noueux, de hautes herbes étrangement pâles et de broussailles aux formes cauchemardesques. Les oiseaux ne s'attardaient guère dans ce jardin perché sur son talus. Enfant, nous avions pour habitude d'envahir les lieux, et je me rappelle encore la terreur que j'éprouvais alors, non seulement devant l'étrangeté morbide de cette végétation sinistre, mais également à cause de l'atmosphère et de la puanteur anormale de la maison en ruine. La porte n'étant pas fermée à clef, nous entrions souvent en quête de frissons. Les fenêtres à petits carreaux étaient pour la plupart brisées et l'état précaire des boiseries, les volets tremblants, le papier peint décollé, le plâtre écaillé, les escaliers branlants et les quelques vestiges de mobilier évoquaient une indicible atmosphère de désolation. La poussière et l'étoile d'araignée ajoutaient une touche d'effroi à l'ensemble, et il fallait être bien courageux pour oser escalader de son plein gré l'échelle menant au grenier, longue pièce aux chevrons apparents, uniquement éclairé par de petits œils de bœuf installés aux deux extrémités sur les pignons, et jonchés d'épaves empilées de coffres, de chaises et de rouets que la poussière des ans avait couverts d'un linceul, et de festons qui leur donnaient des formes monstrueuses, infernales. Mais, en fin de compte, le grenier n'était pas la partie la plus terrible de la maison. C'était la cave froide et humide qui, d'une certaine manière, suscitait en nous la plus vive répulsion même si elle était au-dessus du niveau du sol du côté de la rue et n'était séparée du trottoir que par une porte mince et un mur de briques percés de fenêtres nous hésitions toujours entre céder à la sinistre fascination qui nous poussait à en faire notre repère et l'éviter pour sauver nos âmes et ne pas perdre la raison d'abord la puanteur y était plus forte qu'ailleurs et d'autre part, nous n'aimions pas les champignons blancs qui parfois sortaient subitement de la terre compacte du sol quand l'été était pluvieux. Grotesquement proches de la végétation du jardin, ils avaient des formes tout à fait horribles, repoussantes parodies d'amanites et de monotropes telles que nous n'en avions encore jamais vues. Ils pourrissaient vite, et, à un stade précis de leur développement, devenaient même légèrement phosphorescents, ce qui faisait parfois dire aux passants qu'à la nuit tombée des feux follets brillaient derrière ces carreaux cassés, par lesquels s'échappait l'odeur fétide de la maison. Même lorsque nous étions en proie à la folie d'Halloween, nous ne visitâmes jamais la cave de nuit. Cependant, de jour, il nous arriva de remarquer cette phosphorescence, Surtout lorsqu'il faisait sombre et humide. Nous avions aussi le sentiment de percevoir un autre élément, plus subtil, qui, bien que fort insolite, n'était guère plus qu'une impression. Je parle d'une sorte de dessin blanchâtre et nébuleux sur la terre du sol, un dépôt vague, changeant, de moisissure ou de salpêtre, que nous croyions par moments repérer parmi les touffes éparses de champignons, à proximité de l'âtre énorme de la cuisine du sous-sol. De temps en temps, nous avions l'impression que ces traces présentaient une inquiétante ressemblance avec une forme humaine pliée en deux. Mais en général, elles ne ressemblaient à rien, et d'ailleurs, il n'y avait souvent pas le moindre dépôt. Par un après-midi pluvieux où cette illusion nous parut exceptionnellement marquée, et où de plus j'avais cru voir une légère exhalaison jaunâtre et chatoyante à s'élever de la tache nitreuse non loin de la cheminée béante, je décidai d'en parler à mon oncle. Il sourit de mon impression étrange, mais il me sembla percevoir un soupçon de compréhension dans son expression. J'appris plus tard que l'on trouvait une idée similaire dans les récits à cadabrants des petites gens d'autrefois des récits qui parlaient aussi de la fumée de la grande cheminée, dont les volutes prenaient d'effrayantes formes lupines, et des racines sinueuses et étrangement biscornues qui crevaient les murs de la cave après s'être frayé un chemin à travers les pierres lâches des fondations. Attendit que je sois adulte pour me montrer les notes et données qu'il avait amassées au sujet de la maison maudite. Le docteur Whipple était de la vieille école. Ce médecin équilibré et traditionaliste, malgré tout son intérêt pour cette bâtisse, n'avait pas envie d'encourager un jeune homme à avoir des pensées anormales. D'ailleurs, dans son esprit, compte tenu de la nette insalubrité du bâtiment et de ce qui l'entourait, il n'y avait rien d'étrange dans cette affaire. Cependant, il comprenait que le côté pittoresque qui avait éveillé son propre intérêt puisse conduire un jeune débordant d'imagination à toutes sortes d'associations plus ou moins sinistres. Célibataire vieux jeu, aux cheveux blancs et au visage rasé de près, le docteur, en spécialiste reconnu de l'histoire locale, avait souvent croisé le fer avec des gardiens de la tradition aimant la controverse. Tels que Sidney S. Ryder et Thomas W. Bicknell. Il habitait avec son domestique dans une maison géorgienne avec heurtoir et perron à balustrade de fer. Cette demeure était bizarrement accrochée à la pente abrupte de Northcote Street, à côté du bâtiment de briques de l'ancien tribunal et de la maison de la colonie où son grand-père, cousin du capitaine Whipple, Célèbre corsaire qui en 1772 avait incendié le Gaspi, goélette armée de la flotte de Sa Majesté, avait voté lors de la séance du 4 mai 1776 pour l'indépendance de la colonie de Rhode Island. Autour de mon oncle, dans la bibliothèque humide et basse de plafond, aux boiseries blanches et moisies, à l'imposante cheminée sculptée et aux fenêtres à petits carreaux assombris par les plantes grimpantes, étaient entreposées les reliques et archives de sa vieille famille, archives où l'on trouvait nombre d'allusions douteuses sur la maison maudite de Benefit Street. Ce nid de vermine n'est pas très loin. Benefit Street longe la corniche, juste au dessus du tribunal, sur le flanc escarpé de cette colline que gravissait déjà le village du temps des colonies. Lorsque, enfin, voyant que je prenais de l'âge et que je continuais de le harceler, mon oncle céda et me dévoila les histoires que je voulais tant entendre, je me retrouvai confronté à une bien étrange chronique. Si d'un côté elle était interminable, pleine de lourdeurs statistiques et généalogiques, elle recélait néanmoins une horreur sous-jacente, une atmosphère de menace irrémissible, une malveillance surnaturelle, qui m'impressionnait encore plus qu'elle n'avait impressionné le bon docteur des événements isolés s'imbriquaient bizarrement, tandis que des détails apparemment sans importance renfermaient un monde de possibilités hideuses. Un appétit inédit, irrésistible, s'empara de moi, à côté duquel ma curiosité enfantine paraissait faible et brouillonne. La première révélation conduisit à des recherches exhaustives et enfin à la quête effroyable qui s'avéra si désastreuse pour moi même, mais aussi pour mon oncle. En effet, celui ci finit par insister pour m'aider dans les recherches que j'avais entreprises, et une nuit que nous explorions la maison, n'en ressortit pas avec moi. Je me sens seul sans cette bonne âme dont la longue vie ne fut qu'honneur, vertu, bon goût, bienveillance et amour du savoir. J'ai installé une urne de marbre à sa mémoire au cimetière de Saint John, sur la colline. Dans ce bosquet caché de saules géants que Poe aimait tant, avec ses tombes et ses stèles discrètement blotties entre la masse vénérable de l'église et les murs des maisons et de la banque de Benefit Street. Le début de l'histoire de la maison, véritable labyrinthe de date, ne révélait rien de sinistre dans sa construction, ni chez la famille honorable et prospère qui la bâtit. Et pourtant, dès les premiers temps, on décelait une tendance à la calamité, tendance qui tournerait vite à l'angoissante certitude. Les archives, rassemblées avec soin par mon oncle, commencent avec la construction de l'édifice en 1763 et enchaînent avec un luxe inhabituel de détails. La maison maudite, semble-t-il, fut d'abord habitée par William Harris, son épouse Robbie Dexter et leurs enfants, Elkanah né en 1755, Abigail né en 1757, William Jr. né en 1759 et Ruth né en 1761. Harris était un marin marchand important qui travaillait pour la compagnie d'Obadiah Brown et neveux dans le commerce avec les Indes occidentales. Après la mort de Brown, survenue en 1761, la nouvelle compagnie Nicholas Brown et compagnie. Le nomma capitaine de la Prudence, brique de cent vingt tonneaux issus des chantiers de Providence, ce qui lui permit de faire construire la maison dont il rêvait depuis son mariage. Le site qu'il avait choisi, une portion récemment redressée de Back Street, nouvelle rue à la mode à flanc de colline qui dominait le quartier populeux de Shipside, était à la hauteur de ses désirs, et le bâtiment était digne des lieux. On ne pouvait s'offrir mieux avec des moyens modérés. Les Harris se dépêchèrent d'emménager avant la naissance de leur cinquième enfant. Le bébé, un garçon, arriva en décembre, mais il était mort-né. D'ailleurs, aucun autre enfant ne naîtrait dans cette demeure pendant un siècle et demi. Dès avril, les enfants de la famille tombèrent malades. Abigail et Ruth moururent avant la fin du mois. Le docteur Job Ives diagnostiqua une sorte de fièvre infantile, mais d'autres jugèrent que cela ressemblait davantage à du dépérissement. En tout cas, cela paraissait contagieux. Hannah Bowen, l'une des deux domestiques, mourut du même mal au mois de juin suivant. L'autre, un dénommé Eli Leadison, se plaignait souvent de faiblesse. Il serait retourné vivre à la ferme de son père, à Rehoboth, s'il ne s'était brusquement pris d'affection pour Mehitable Pierce, qui avait été engagé pour remplacer Hannah. Lydison mourut l'année suivante, triste année s'il en fut, puisqu'elle vit la mort de William Harris, que le climat de Martinique, où son travail l'avait retenu pour de longues périodes au cours de la décennie précédente, avait affaibli. Sa veuve, Robbie, ne se remit jamais de ce drame. Le décès de son aîné, Elkana, deux ans plus tard, termina de compromettre son équilibre mental. En 1768, elle sombra dans une forme de folie légère. À partir de ce moment, on la confina à l'étage, tandis que sa sœur aînée, Mercy Dexter, s'installait dans la maison pour prendre la famille en main. Mercy était une vieille fille maigre, au physique quelconque malgré sa grande force physique sa santé déclina à vue d'œil dès son arrivée elle était très dévouée à sa malheureuse sœur et avait une affection toute particulière pour william le seul neveu qui lui resta le jeune garçon pourtant robuste alors qu'il était nourrisson était devenu malade et chétif c'est cette même année que la domestique méhitable mourut et que son collègue Preserved smith partit sans donner d'explication cohérente. Il se contenta de raconter des histoires à dormir debout et de se plaindre de la puanteur des lieux. Pendant un certain temps, Mercy ne trouva plus personne pour l'aider, les sept décès et le cas de folie, le tout en cinq ans à peine, ayant donné naissance à l'ensemble de bruits qui plus tard allaient prendre une tournure si bizarre. Mercy finit cependant par trouver des domestiques en dehors de la ville, Anne White, femme morose de la partie de North Kingston, aujourd'hui rebaptisée Exeter, et un bostonien fort compétent du nom de Zina Slow. C'est Anne White qui, la première, donna une forme définie au sinistre bavardage. Mercy aurait dû savoir qu'il valait mieux ne pas engager d'habitants du pays de Nusenegh Hill, car dans ce trou perdu couraient, et courent toujours, les superstitions les plus pénibles. Encore en 1892, des gens d'Exeter exhumaient un mort et brûlaient solennellement son cœur pour empêcher de prétendues visitations qui auraient nui à la santé et à la paix publique. On imaginera sans peine le point de vue de ces gens là en 1768. Anne était sournoise et avait la langue bien pendue, si bien qu'au bout de quelques mois Mercy la renvoya et la remplaça par Maria Robbins, aimable femme de Newport, aussi forte que fidèle. Pendant ce temps, la pauvre Robbie Harris, dans sa folie, donnait voix à des rêves et délires des plus hideux. Parfois, ses cris devenaient insupportables. Pendant de longues périodes, elle hurlait même des horreurs qui obligeaient Mercy à envoyer William habiter temporairement chez son cousin, Peleg Harris, sur Presbyterian Lane, près du nouveau bâtiment de l'université. Le garçon paraissait revenir en meilleure santé de ses séjours, et si Mercy avait été aussi sage que bien intentionnée, elle l'aurait autorisé à vivre en permanence avec Pelleg. La tradition hésite à répéter ce que hurlait madame Harris au cours de ses crises de rage. Ou, plus exactement, les récits qu'elle nous rapporte sont si extravagants que leur absurdité suffit à les invalider. Il paraît certainement absurde qu'une femme qui n'a que des rudiments de français puisse, des heures durant et dans cette même langue, hurler des insanités tout à fait idiomatiques. Absurde aussi que cette même personne, alors qu'elle est enfermée seule, s'époumonne à dire qu'une créature au regard méchant essaye de la mordre. En 1772, le domestique Zinas mourut. En apprenant la nouvelle, Madame Harris éclata de rire avec une jubilation qui ne lui correspondait pas du tout. L'année suivante, c'est elle qui mourut. On l'enterra au cimetière nord, auprès de son époux. En 1775, lorsqu'éclata la guerre avec la Grande-Bretagne, William Harris, malgré ses seize ans et sa faible constitution, parvint à s'engager dans le corps d'observation sous les ordres du général Greene. à partir de ce moment sa santé ne fit que s'améliorer en même temps que croissait son prestige en 1780 alors qu'il était capitaine de l'armée de Rhode Island basée dans le New Jersey sous le commandement du colonel Angel il rencontra Phoebe Hetfield d'Elizabeth Town qu'il épousa et ramena à Providence l'année suivante après avoir été libéré de ses obligations militaires le retour du jeune soldat ne fut pas dénué de tristesse. La maison, il est vrai, était toujours en bon état, et l'on avait élargi la rue, rebaptisée Benefit Street. Mais le corps de Mercy Dexter, jadis si robuste, avait été victime d'une curieuse dégénérescence. Sa silhouette voûtée faisait peine à voir elle s'exprimait d'une voix caverneuse et était d'une pâleur troublante les symptômes dont souffrait Maria, la seule domestique qui lui restait, étaient étonnamment similaires. À l'automne 1782, Phoebe Harris donna naissance à une fille mort-née, et le 15 mai suivant, Mercy Dexter quitta cette vie austère et vertueuse qu'elle avait consacrée aux autres. William Harris, enfin convaincu de la nature profondément malsaine de cette demeure, déménagea et la condamna. Il trouva un logement temporaire pour sa femme et lui à l'auberge de la Boule d'Or qui venait d'ouvrir, puis entreprit de faire construire une nouvelle maison plus belle sur Westminster Street dans les quartiers en pleine expansion de l'autre côté du Grand Pont. C'est là que naquit son fils Duty en 1785 et que la famille vécut jusqu'à ce que l'essor des commerces la rejette sur l'autre rive du fleuve et même au-delà de la colline elle s'installa sur Angel Street, dans le nouveau quartier résidentiel de l'East Side, où en feu Archer Harris bâtit un somptueux manoir, malheureusement affublé d'un horrible toit français. William et Phébé succombèrent tous deux à l'épidémie de fièvre jaune de 1797, mais Duty fut élevé par son cousin Rathbone Harris, fils de Peleg. Rathbone, Homme à l'esprit pratique, loua la maison de Benefit Street malgré le souhait de William qu'elle reste inhabitée. Il considérait qu'il était de son devoir de faire fructifier tous les biens de son protégé et n'avait cure des décès et maladies qui expliquaient les si nombreux changements de propriétaire, ni de l'aversion croissante dont cette demeure faisait l'objet. Sans doute fut-il plus contrarié qu'autre chose quand, en 1804, le conseil municipal lui ordonna de traiter la maison par fumigation au soufre, au goudron et au camphre, en raison de quatre décès qui firent beaucoup de bruit et que l'on attribua à l'épidémie de fièvre, alors sur le déclin. La municipalité estimait que les lieux sentaient les miasmes. Dioty lui-même n'était guère attaché à la maison, ayant choisi la carrière de corsaire. Lors de la guerre de 1812, il se distingua à bord du Vigilant, sous les ordres du capitaine Cahoon. Il revint sain et sauf, se maria en 1814 et devint père. La fameuse nuit du 23 septembre 1815, où, par grand vent, les eaux de la baie submergèrent plus de la moitié de la ville et entraînèrent un grand sloop jusqu'au haut de Westminster Street. Ses mâts vinrent frapper aux fenêtres des Harris. Comme pour affirmer symboliquement que le nouveau-né Welcome était fils de marin. Welcome ne survécut pas à son père, mais connut une mort glorieuse à Fredericksburg en 1862. Tout ce que lui et son fils Hatcher savaient de la maison maudite, c'était qu'il s'agissait d'un fardeau presque impossible à louer. Peut-être était-ce dû à sa vieillesse et aux écœurantes odeurs de renfermé qui allaient avec. Et en effet, elle ne fut jamais louée après une série de décès qui culmina en 1861 et qui passa relativement inaperçue au milieu de l'effervescence de la guerre. Jusqu'à ce que je lui fasse part de mon expérience, Carrington Harris, dernier des héritiers mâles, ne voyait dans cette maison qu'une ruine abandonnée et assez pittoresque, qui faisait l'objet de nombreuses légendes. Il avait eu l'intention de la détruire pour bâtir des appartements à la place, mais, après mon récit, décida de la garder, de refaire la plomberie et de la louer. Jusqu'ici, il n'a pas eu le moindre mal à trouver des locataires. L'horreur est partie. On imaginera sans mal combien je fus impressionné par les archives des Harris. Dans cette chronique ininterrompue, je croyais distinguer un mal tapis, persistant, différent de tout ce que j'avais connu dans la nature, un mal indéniablement lié à la maison et non à la famille. Cette impression se trouva confirmée par les données diverses que mon oncle avait rassemblées de façon moins systématique. Des légendes réunies en croisant les bavardages de domestiques, les coupures de journaux, les copies d'actes de décès envoyés par des confrères de mon oncle et ainsi de suite. Il me serait impossible de reproduire ici tous ces documents, car mon oncle était un infatigable historien et s'intéressait beaucoup à la maison maudite. Néanmoins il peut être utile de mettre en évidence plusieurs points remarquables par leur récurrence dans différents rapports de sources variées. Par exemple, dans leur bavardage, les domestiques attribuaient presque unanimement l'influence maléfique de la maison à sa cave malodorante et moisie. Certains d'entre eux, à White en particulier, refusaient d'utiliser la cuisine du bas. Par ailleurs, au moins trois légendes fort précises portaient sur la forme étrange, quasi humaine ou diabolique, des racines et des taches de moisissure qui s'y trouvaient. Ces récits là m'intéressaient énormément, étant donné ce que j'avais moi même vu dans mon enfance. Néanmoins j'avais le sentiment que la portée de ces récits était en grande partie amoindrie par des détails inspirés des histoires de fantômes locales. Anne White, fort des superstitions d'Exeter, avait fait le récit le plus extravagant, mais aussi le plus cohérent. D'après elle, devait être enterré sous la maison un vampire. Ces morts qui gardent leur enveloppe charnelle et se nourrissent du sang et du souffle des vivants appartenant aux abominables légions dont les corps ou les esprits sortent, la nuit, en quête de proie. Pour tuer ces créatures, affirment les grands-mères, il faut les exhumer et brûler leur cœur, ou au moins planter un pieu dans ce dernier. Or c'est précisément l'obstination avec laquelle elle poussait sa maîtresse à faire fouiller la cave qui avait fini par faire renvoyer la domestique. Ces récits, toutefois, trouvait un écho chez beaucoup de gens et était d'autant plus facilement accepté que la maison avait effectivement été bâtie sur un ancien cimetière. De mon point de vue, leur intérêt reposait moins sur ces circonstances que sur le fait qu'ils recoupaient à la perfection d'autres témoignages, celui de l'ex domestique, Preserved Smith, qui affirmait que quelque chose aspirait son souffle la nuit. Alors qu'il n'avait jamais entendu parler d'Anne White, ayant quitté le service des Harris avant l'arrivée de cette dernière. Les actes de décès des victimes de la fièvre de 1804, actes établis par le docteur Chad Hopkins, et révélant que les quatre morts étaient inexplicablement exsangues, mais aussi des extraits sibylins des délires de la pauvre Robbie Harris, dans lesquels elle se plaignait d'une présence à demi-invisible. Aux yeux vitreux et aux dents aiguisées. J'ai beau être imperméable aux superstitions infondées, toutes ces choses me donnaient une drôle d'impression, qui se trouva renforcée par deux coupures de journaux portant sur des décès survenus dans la maison maudite. De nombreuses années les séparaient, puisque l'une était tirée du Providence Gazette and Country Journal du 12 avril 1815 et l'autre du « Daily Transcript and Chronicle » du 27 octobre 1845. Et pourtant, les événements particulièrement macabres qu'elle décrivait comportaient des similitudes remarquables. Si l'on en croit les deux articles, dans leur agonie, les victimes, en 1815 une brave vieille dame du nom de Statford, et en 1845 un instituteur d'âge mûr nommé Eliezer Duffy, subirent une horrible transformation. Ils regardaient d'un œil vitreux et méchant le médecin qui s'occupait d'eux, et essayèrent même de le mordre à la gorge. Mais plus étrange encore, l'affaire qui mit un point final à la location de la maison fut une série de décès par anémie, précédés par une montée progressive de démence qui poussa les malades à attenter par la ruse à la vie de leurs parents en les entaillant à la gorge ou au poignet. C'était en 1860 et 1861, alors que mon oncle venait d'ouvrir son cabinet. Avant son départ pour le front, ses collègues plus âgés lui avaient raconté une grande partie de l'affaire. Le plus inexplicable était le fait que les victimes, des ignorants, car la réputation et la puanteur de la maison limitaient sa location à des gens de cette catégorie, brodouillait des malédictions en français, langue qu'elle ne pouvait avoir apprise en aucune manière. Comment ne pas faire le rapprochement avec le cas de la pauvre Robbie Harris près d'un siècle plus tôt? Mon oncle fut si intrigué qu'il entreprit de rassembler des données historiques sur la maison, après avoir entendu, quelque temps après son retour de la guerre, le récit de première main des docteurs Chase et Whitmarsh je me rendais bien compte que mon oncle avait beaucoup médité sur l'affaire, et qu'il se félicitait de mon propre intérêt, car je me montrais ouvert d'esprit et bienveillant, ce qui lui permettait d'aborder avec moi des questions qui, de la part d'un autre interlocuteur, ne lui auraient valu que moquerie. Ses pensées l'avaient entraîné moins loin que les miennes mais il sentait que cette maison avait un potentiel rare en matière d'imaginaire, et ferait une remarquable source d'inspiration dans le domaine du grotesque et du macabre. Enclin, pour ma part, à traiter l'affaire avec le plus grand sérieux, je commençai aussitôt à analyser les indices existants, mais aussi à réunir autant d'éléments nouveaux que possible. Je m'entretins souvent avec le vieil Hatcher Harris, alors propriétaire de la maison avant sa mort en 1916 j'obtins de lui et de sa seule sœur encore en vie, une célibataire prénommée Alice, une parfaite corroboration de tous les documents réunis par mon oncle sur la famille. Cependant, lorsque je leur demandai quel lien pouvait bien exister entre la maison et la France, ou la langue française, ils s'avouèrent tout aussi déconcertés et ignorants que moi. Et tout ce que mademoiselle Harris put dire, c'est que son grand père, Duty Harris, avait entendu une vieille rumeur qui pourrait avoir un rapport lointain avec ma question. Le vieux marin, qui avait survécu deux ans à Walcombe, son fils mort à la guerre, ne connaissait pas cette légende. Mais il se rappelait que sa première gouvernante, la vieille Maria Robbins, avait semblé savoir quelque chose qui aurait pu donner un sens étrange au délire en français de Robbie Harris qu'elle avait si souvent entendu lors des derniers jours de la malheureuse. Maria avait vécu dans la maison maudite de 1769 à 1783 année du déménagement de la famille et avait donc vu mourir Mercy Dexter. Un jour qu'elle parlait au tout jeune Duty, elle avait fait allusion à un détail étrange de l'agonie de Mercy. Mais l'enfant n'avait pas tardé à tout oublier, sinon qu'il s'agissait de quelque chose d'insolite. De même, c'est avec difficulté qu'Alice Harris se remémora ses maigres informations. Son frère et elle s'intéressaient moins à la maison que Carrington, fils d'Archer et propriétaire actuel des lieux, avec qui je m'entretins suite à mon expérience. Ayant obtenu de la famille Harris toutes les informations dont elle disposait, je me tournais vers les archives et actes municipaux avec plus d'attention et de sérieux que mon oncle n'en avait déployé lorsqu'il s'était attelé à la même tâche. Je voulais dresser l'historique complet du site depuis sa fondation en 1636, voire avant si je parvenais à exhumer quelques légendes Narragansett recélant des indices en lien avec l'affaire. Je découvris dès le début que le terrain avait fait partie d'une longue bande de lotissements concédés à l'origine à John Throckmorton. La concession, et il y en avait bien d'autres, commençait à la grande rue, au bord du fleuve, et se prolongeait sur la colline pour se terminer à peu près au niveau de l'actuelle Hop Street. Par la suite, elle fut bien entendu divisée en de nombreux lotissements. C'est avec grand intérêt que j'étudiais la section où devait passer plus tard Backstreet, la future Benefit Street. En effet, on racontait que l'endroit correspondait au cimetière des Throckmorton. Mais en me penchant de plus près sur les archives, je m'aperçus que l'on avait très tôt transféré toutes les sépultures dans le cimetière nord, sur la route ouest qui mène à et tout à coup je tombais, par un grand hasard, puisque cela ne figurait pas dans le corps des archives et aurait donc aussi bien pu m'échapper, sur un document de 1697 qui m'enthousiasma au plus haut point, du fait qu'il recoupait plusieurs éléments parmi les plus étranges de l'affaire. Il s'agissait du contrat de bail d'un petit lopin de terre cédé à un certain Étienne Roulet et à son épouse. Le lien français apparaissait enfin, et s'accompagnait d'un profond sentiment d'horreur car ce nom me renvoyait aux sombres recoins de mes lectures aussi diverses qu'étranges je me lançai à corps perdu dans l'étude du découpage du voisinage tel qu'il était avant le traçage et le redressement partiel de back street entre 1747 et 1758 ce que je découvris ne me surprit qu'à moitié à l'emplacement actuel de la maison maudite Derrière un bâtiment de plain-pied avec grenier, s'était trouvé le cimetière des Roulets. De plus, il n'existait aucune trace d'un quelconque transfert de tombe. Le document, d'ailleurs, se terminait de manière fort confuse, ce qui me força à écumer la Société historique de Rhode Island à la bibliothèque Shepley en quête d'une porte dont le nom d'Étienne Roulet serait la clé je finis par découvrir une chose d'une portée à la fois si vague et si monstrueuse que j'entrepris sur-le-champ d'explorer la cave de la maison maudite et ce avec une attention et une impatience renouvelées les roulets étaient semble-t-il arrivés d'east greenwich sur la côte ouest de la baie narragansett ces huguenots de Code n'avaient connu qu'hostilité avant que les conseillers municipaux de Providence les autorisent à emménager en ville. Ils avaient toujours été impopulaires à East Greenwich, où ils s'étaient installés en 1686, suite à la révocation de l'édit de Nantes. D'après la rumeur, cette antipathie n'était pas uniquement due à de simples préjugés raciaux et nationaux. Ni au conflit terrien entre les Français et leurs rivaux anglais, conflit que même le gouverneur Andros ne parvenait pas à apaiser. Cependant, leur protestantisme ardent, trop ardent, murmuraient certains, et leur détresse manifeste, les gens d'East Greenwich les ayant pour ainsi dire chassés de leur village, avaient suscité la compassion des doyens de Providence. Le couple avait donc trouvé asile dans leur ville et l'on attribua à Étienne Roulet, homme au teint mat qui s'y entendait moins en agriculture que pour lire des livres étranges et dessiner des schémas non moins étranges, un emploi de bureau à l'entrepôt du quai de Pardon-Tillinghast, tout au sud de la grande rue. Précisons qu'il y eut une sorte d'émeute, une quarantaine d'années plus tard, suite à la mort du vieux Roulet après quoi plus personne n'entendit parler de cette famille. Pendant plus d'un siècle, les roulets restèrent dans les mémoires et furent souvent le sujet de discussion en vertu du fait qu'ils avaient perturbé la tranquillité d'un port de Nouvelle Angleterre. C'est sans doute la conduite imprévisible de Paul, fils d'Étienne, qui provoqua l'émeute qui anéantit la famille. Cet homme bourru fit l'objet de bien des spéculations, et bien que Providence n'ait jamais connu la peur panique des sorcières, contrairement à ses voisines puritaines, les vieilles femmes n'hésitaient pas à affirmer que les prières de Paul n'étaient ni dites au bon moment, ni adressées à la bonne personne. Tout cela était indéniablement à l'origine de la légende dont la vieille Maria Robbins s'était fait l'écho. Quant au lien entre ces informations et les délires en français de Robbie Harris, et d'autres habitants de la maison maudite, seule l'imagination ou des découvertes ultérieures pourra le définir. Parmi ceux qui avaient entendu les légendes, je me demandais combien voyait en elles le caractère terrible que mes nombreuses lectures me faisaient percevoir, car j'avais lu dans les annales de l'horreur morbide un article effrayant traitant d'un certain Jacques Roulet de Côde, qui, en 1598, fut condamné à mort pour diablerie, puis sauvé du bûcher par le Parlement de Paris, qui le fit enfermer à l'asile. On l'avait découvert dans les bois, couvert de sang et de lambeaux de chair, peu après qu'un enfant avait été tué et taillé en pièces par deux loups. On avait vu l'une des bêtes s'enfuir saine et sauve. C'était à coup sûr une bonne histoire à raconter au coin du feu et la coïncidence du nom et du lieu était certainement insolite. Cependant, je jugeais impossible que les commères de Providence en aient eu vent. Dans le cas contraire, les dites coïncidences auraient conduit les gens à prendre des mesures radicales sous l'effet de la peur. Mais, après tout, si cette histoire avait commencé à se chuchoter, cela n'aurait il pas suffi à déclencher l'émeute qui fit disparaître les roulets de la ville? je me mis alors à visiter de plus en plus souvent l'endroit d'année, afin d'étudier la végétation malsaine du jardin, d'examiner les murs de la maison et de scruter chaque pouce du sol en terre de la cave. Enfin, avec la permission de Carrington Harris, j’introduisis une clé dans la serrure de la porte inutilisée qui ouvrait directement sur Benefit Street. Car je souhaitais pouvoir regagner le monde extérieur sans être obligé de remonter par l'escalier obscur, puis de traverser le hall du rez-de-chaussée pour sortir par la porte principale. Dans cette cave où régnait une morbidité à couper au couteau, je passais de longs après-midi à fouiller et fouiner, tandis que la lumière filtrait à travers les hautes fenêtres envahies de toiles d'araignée. La porte déverrouillée me procurait un sentiment de sécurité puisque je me savais à quelques pas seulement du paisible trottoir nulle découverte ne vint récompenser mes efforts rien que cette même puanteur déprimante de renfermer, ces légères suggestions d'odeurs méphitiques et ces silhouettes de salpêtre sur le sol j'imagine bien que de nombreux passants intrigués devaient m'observer par les carreaux cassés finalement sur le conseil de mon oncle je décidai de tenter ma chance de nuit aussi un soir de tempête à minuit je promenais le faisceau de ma torche électrique sur le sol moisi et les silhouettes mystérieuses et les champignons biscornus et à demi phosphorescents les lieux m'avaient curieusement découragé ce soir-là et j'allais partir quand je vis ou crus voir parmi les dépôts blanchâtres une version particulièrement nette du corps recroquevillé entreaperçu dans mon enfance sa netteté était étonnante sans précédent et alors même que je la contemplais j'eus l'impression de revoir la légère exhalaison jaunâtre et chatoyante qui m'avait tant surpris par un après-midi pluvieux des années auparavant elle s'élevait près de la cheminée, au dessus de la tache de moisissure à forme humaine. La vapeur subtile, maladive, presque lumineuse, qui flottait en tremblant dans l'air humide, semblait former des suggestions de silhouettes aussi vagues que repoussantes, avant de se diluer progressivement pour donner un nuage de pourriture qui disparaissait dans le foyer noir de la grande cheminée en laissant derrière lui une odeur fétide. C'était véritablement horrible d'autant plus que j'en savais long sur l'histoire de ce lieu. Refusant de m'enfuir, je regardais l'exhalaison s'évanouir, et ce faisant, je remarquai qu'elle m'observait avec avidité de ses yeux plus imaginables que visibles. Lorsque j'en parlais à mon oncle, il se montra fortement intéressé, et après une heure d'intense réflexion, il prit une décision ferme et radicale. Considérant l'importance de l'affaire et ce que cette dernière représentait pour nous, il déclara que nous devions affronter et, si possible, détruire l'horreur qui hantait cette maison. Pour ce faire, nous devions monter la garde ensemble, une ou plusieurs nuits, dans cette cave moisie et rongée par les champignons. 25 juin 1919, après avoir prévenu Carrington, sans toutefois lui faire part de nos soupçons, mon oncle et moi-même transportâmes dans la maison maudite deux chaises pliantes, un lit de camp et un appareil scientifique lourd et complexe. Nous installâmes tout cela dans la cave en plein jour, puis obstruâmes les fenêtres avec du papier. Nous prévoyons de revenir le soir pour notre première nuit de garde. Nous avions fermé la porte permettant de passer de la cave au rez-de-chaussée, car nous étions en possession de la clé qui nous permettrait de passer par la rue. Nous étions prêts à laisser notre fragile matériel, que nous nous étions procuré en secret et à grand prix, autant de jours qu'il le faudrait. Le plan était de veiller ensemble très tard, puis de faire des tours de garde de deux heures, en commençant par moi. Celui de nous deux qui ne serait pas de quart se reposerait sur le lit l'autorité naturelle avec laquelle mon oncle s'était procuré le matériel auprès des laboratoires de l'université brown et de l'armurerie de cranston street et avait pris d'instinct la direction des opérations témoignait merveilleusement de la vitalité et de la résistance dont peut faire preuve un homme de 81 ans elihu hewle avait vécu suivant les règles d'hygiène qu'il recommandait à ses patients sans les événements qui allaient se produire, il serait encore des nôtres aujourd'hui, et toujours vigoureux. Deux personnes seulement se doutent de ce qui s'est passé Carrington Harris et moi même. Il fallait que je dise la vérité à Harris. Après tout, en tant que propriétaire, il avait le droit de savoir ce qui était sorti de sa maison. D'ailleurs nous lui avons déjà parlé avant de nous atteler à la tâche. Aussi, après la disparition de mon oncle, espérais je qu'il comprendrait et m'aiderait à fournir au public les explications nécessaires. Il a pâli en apprenant la vérité, mais a accepté de m'aider et a conclu qu'il lui serait désormais possible de louer la maison sans danger. Prétendre que nous n'étions pas inquiets lors de notre première nuit de garde, une nuit pluvieuse, qui plus est, serait une fanfaronnade ridicule. Comme je l'ai dit, nous n'étions aucunement sujets aux superstitions puériles. Néanmoins, nos recherches et réflexions scientifiques nous avaient enseigné que le monde connu, avec ses trois dimensions, ne comprenait qu'une infime fraction de toutes les matières et énergies de l'univers. Dans ce cas précis, une masse énorme d'indices provenant de nombreuses sources authentiques prouvait l'existence durable de certaines forces extrêmement puissantes et, du point de vue humain, particulièrement maléfiques. Il serait tout à fait exagéré d'affirmer que nous croyions vraiment aux vampires et aux loups-garous. Il conviendrait mieux de dire que nous ne voulions pas récuser la possibilité qu'il existât des modifications inconnues, et donc pas encore décrites, de la force vitale et de la matière atténuée, modifications très rares dans l'espace tridimensionnel en raison de ses liens avec les autres unités spatiales, mais suffisamment proches de nos frontières pour se manifester parfois sans que notre point de vue nous permette de les comprendre. Bref, il nous semblait, à mon oncle et à moi-même, qu'un ensemble de phénomènes irréfutables indiquait l'existence d'une influence dans la maison maudite, influence remontant à la mort de quelques malheureux pionniers français, deux siècles plus tôt, et qui durait encore à cause de certaines lois rares et inconnues du mouvement des atomes et électrons. Ce que l'on savait de la famille Roulet semblait prouver qu'elle avait présenté une affinité anormale pour les cercles extérieurs à l'entité, sphères obscures qui, chez les gens normaux, ne suscitaient que terreur et répulsion. L'émeute des années 1730 n'avait-elle pas mis en branle certaines forces cinétiques dans le cerveau morbide d'un membre de la famille, en particulier du sinistre Paul Roulet, voire de plusieurs le cerveau en question aurait alors pu survivre au meurtre et à l'inhumation du ou des corps par la foule pour continuer de fonctionner dans quelque espace multidimensionnel, suivant la direction déterminée par la haine frénétique d'une communauté envahissante. Cela n'était certainement pas impossible du point de vue physique ou biochimique, à la lumière de la science nouvelle, fondée sur les théories de la relativité et de l'activité intra-atomique. On peut sans mal imaginer un noyau étranger de substance ou d'énergie, informe ou non, se maintenant en vie par des prélèvements imperceptibles ou immatériels de la force vitale, des tissus corporels et des fluides d'autres êtres à l'existence plus palpable, dans lesquels ils pénètrent et dans la matière desquels ils se font parfois complètement ce noyau pourrait être franchement hostile, ou obéir aveuglément à un simple instinct de survie. Quoi qu'il en soit, un tel monstre devrait forcément, du point de vue de l'homme, être considéré comme une anomalie et un intrus, dont l'annihilation serait la priorité de tout être humain se posant en défenseur de la vie, de la santé et de l'équilibre mental du monde. Ce qui nous déroutait le plus, c'était notre totale ignorance de l'aspect sous lequel nous apparaîtrait la chose. Aucune personne saine d'esprit ne l'avait jamais vue, et rares étaient ceux qui avaient senti son existence avec précision. Peut-être était-elle faite de pure énergie, forme éthérée étrangère au monde des substances, ou peut-être était-elle partiellement matérielle, sorte de masse malléable, inconnue et équivoque, capable à volonté d'imiter vaguement les états solides, liquides, gazeux, ou une matière précairement indivisible en particules. La tache de moisissure anthropomorphique sur le sol, la silhouette de vapeur jaunâtre, la courbure des racines décrites dans certaines légendes de jadis évoquaient toutes un lien, ne serait ce qu'éloigné, avec le corps humain. Toutefois, nul n'aurait pu dire avec certitude si cette ressemblance était permanente et significative. Nous avions prévu deux sortes d'armes pour combattre cette chose. Un grand tube de Crookes adapté pour la circonstance, alimenté par de puissants accumulateurs munis d'écrans et de réflecteurs spéciaux, au cas où l'ennemi s'avérerait intangible et uniquement sensible à des radiations éthérées très destructrices. Et deux lance-flammes comme on en avait utilisé lors de la Grande Guerre, dans l'hypothèse où ils seraient en partie matériels et donc vulnérables aux moyens de destruction mécanique. En effet, à l'instar des paysans superstitieux d'Exeter, nous étions prêts à brûler le cœur de la créature, à supposer qu'elle en eût un nous disposâmes tout ce matériel offensif à des endroits savamment calculés par rapport au lit de camp, aux chaises pliantes et aux points devant la cheminée où la moisissure avait pris des formes étranges. D'ailleurs, les moisissures aux silhouettes évocatrices étaient à peine visibles lorsque nous installâmes nos affaires et à notre retour, le soir. L'espace de quelques instants je me demandais même si je ne m'étais pas imaginé les avoir distingués si nettement. Puis je repensais aux légendes. Notre veillée dans la cave commença à dix heures du soir, heure d'été. Le temps avait beau passer, rien ne permettait de penser qu'il se produirait quelque chose. La lueur des lampadaires battues par la pluie filtrait faiblement par les fenêtres recouvertes, et la maigre phosphorescente des détestables champignons de la cave nous permettait de distinguer la pierre suintante des murs, d'où toute trace de chaux avait disparu. Le sol de terre battue humide, constellé de taches de moisissure, hérissé de champignons obscènes. Les vestiges pourrissants de tabourets, de chaises et de tables, mais aussi d'autres meubles moins identifiables. Les lourdes planches et les poutres massives du plancher du rez-de-chaussée, au-dessus de nos têtes, la porte de bois vermoulu qui donnait sur la pièce des poubelles et les autres parties de la cave, l'escalier croulant en pierre avec sa rampe en bois abîmée et la profonde cheminée sans fioriture avec un foyer de briques noircies où des morceaux de fer rouillé révélaient la présence jadis de crochets, de chenets, de broches, d'une potence et d'une porte pour la cocotte. Toutes ces choses, plus notre lit et nos chaises spartiates, ainsi que la lourde machine destructrice et complexe que nous avions apportée. Comme lors de mes explorations personnelles, nous n'avions pas fermé la porte de la rue à clé, de manière à disposer d'un moyen direct et pratique de retraite, en cas de manifestation qui nous dépasserait. Nous pensions que notre présence nocturne prolongée ferait sortir de sa tanière l'entité maléfique qui était tapie dans cette cave, et que, nous étant préparés, nous pourrions vaincre la chose à l'aide de l'une ou l'autre de nos armes, et cela dès que nous l'aurions identifiée et suffisamment observée. Nous n'avions aucune idée du temps qu'il faudrait pour l'évoquer et la tuer. Cette aventure n'était pas dénuée de danger, cela ne nous échappait pas. En effet, nul n'aurait su évaluer par avance la puissance de l'ennemi. Cependant, ayant estimé que le jeu en valait la chandelle, nous nous étions lancés seuls et sans la moindre hésitation, conscients qu'en demandant de l'aide, nous nous couvririons de ridicule et compromettrions peut-être la réussite des opérations. C'est dans cet état d'esprit que nous discutâmes, tard dans la nuit, jusqu'au moment où, voyant mon oncle somnoler, je lui rappelais qu'il pouvait s'étendre et dormir deux heures. C'est un sentiment proche de la peur qui me fit frissonner, tandis que je passais les petites heures de la nuit à attendre seul. Je dis seul, car veiller près d'un dormeur, c'est comme être seul peut-être même davantage qu'on ne pourrait le penser. Mon oncle respirait profondément par dessus le bruit de la pluie. Entre deux de ces inspirations, j'entendais un clapotis lointain mais exaspérant, indiquant que de l'eau gouttait quelque part dans la maison. Car cette dernière, d'une humidité repoussante quand le temps était sec, devenait un véritable marécage sous l'effet de la tempête. J'étudiais les antiques pierres disjointes des murs à la lumière des champignons fluorescents et sous les timides rayons qui se glissaient par les fenêtres masquées. À un moment, sentant que j'étais au bord de la nausée à cause de l'atmosphère répugnante qui régnait dans cette cave, j'ouvris la porte et contemplai la rue à droite et à gauche. Je me délectais de ces visions familières et de l'air sain du dehors. Rien ne vint récompenser mon attente. La fatigue l'emportant sur l'inquiétude, je bâillais de façon répétée. Soudain, mon oncle attira mon attention en s'agitant dans son sommeil. Il s'était déjà retourné plusieurs fois dans son lit au cours de la seconde moitié de ma première heure de veille, mais il se mit à respirer de manière très irrégulière, en poussant de temps à autre un soupir qui tenait fort du râle d'étouffement en braquant ma lampe électrique sur lui, je vis qu'il me tournait le dos. Je me levai donc, fis le tour du lit et l'éclairai de nouveau pour voir s'il avait l'air souffrant. Ce que je vis me perturba à un point très surprenant pour quelque chose de relativement insignifiant. Sans doute était ce l'association d'un incident curieux et de la sinistre nature des lieux et de notre mission, car l'incident en lui même n'avait rien d'effrayant ni de surnaturel. L'expression de mon oncle, sans aucun doute déformée par des cauchemars nés de la situation, trahissait une agitation considérable, et ne paraissait pas du tout caractéristique de son visage, qui arborait habituellement un air de gentillesse et de calme bienséant, mais sur lequel se lisaient à présent les diverses émotions qui s'affrontaient en lui. Tout bien considéré, je pense que c'est cette diversité qui me perturba le plus. Mon oncle, qui haletait et remuait de plus belle, et dont les yeux s'étaient brusquement ouverts en grand, n'était plus un, mais plusieurs. Curieusement, il semblait comme étranger à lui même. Tout à coup, il commença à marmonner, et comme il parlait, sa bouche et ses dents me mirent mal à l'aise. Ses mots furent tout d'abord indistincts, puis avec un sursaut phénoménal, je reconnus en eux quelque chose qui me glaça d'effroi, jusqu'à ce que je me rappelle l'étendue de l'érudition de mon oncle, et les interminables traductions qu'il avait faites d'articles anthropologiques et archéologiques de la Revue des Deux Mondes. Car le vénérable Eliio Whipple balbutiait en français, et les quelques passages que je parvins à distinguer semblaient liés aux mythes les plus sombres qu'il eût jamais traduits du célèbre magazine parisien. Soudain, de la sueur coula sur le front du dormeur, et il se leva d'un bond, à demi éveillé. Son charabia en français fit place à de l'anglais lorsqu'il cria, d'une voix rauque et paniquée Mon souffle Mon souffle sur ce, il se réveilla complètement et l'expression sur son visage redevint normale. Il me prit la main et me raconta un rêve dont je ne pus que conjecturer la signification profonde avec sidération. Il m'expliqua que, suite à une série de visions oniriques très ordinaires, il avait dérivé pour se retrouver dans une scène dont l'étrangeté n'avait rien de commun avec tout ce qu'il avait pu lire. Cela se passait dans ce monde sans en être vraiment. Sombre confusion géométrique dans laquelle on apercevait les éléments d'objets familiers, mais combinés de façon inhabituelle et perturbante. Il avait cru voir une superposition d'images étrangement désordonnée. Un agencement dans lequel les principes mêmes du temps et de l'espace semblaient se diluer pour se mélanger sans la moindre logique. Dans ce tourbillon caléidoscopique d'images fantasmagoriques, il avait entrevu des clichés, si l'on peut dire, d'une netteté singulière mais d'une hétérogénéité inexplicable. À un moment, mon oncle gisait au fond d'une fosse ouverte hâtivement creusée, tandis qu'une foule de visages furieux aux boucles emmêlées et coiffes de tricornes lui jetait des regards noirs. Puis il eut l'impression d'être de nouveau à l'intérieur d'une maison, apparemment vieille, mais dont les détails et les habitants changeaient sans cesse, au point qu'il lui était impossible d'identifier les meubles ou les visages, voire la pièce, puisque ses portes et fenêtres étaient aussi changeantes que le mobilier, sensément moins fixe. C'était étrange, terriblement étrange. Et c'est sur un ton contrit comme s'il s'attendait un peu à ce que je ne le crois pas, qu'il déclara que, parmi tous les visages insolites, beaucoup parboraient indéniablement les traits des Harris. Et tout au long de ce rêve, il avait eu l'impression d'étouffer, comme si quelque présence invasive s'était répandue dans son corps pour prendre le contrôle de ses processus vitaux. Je frissonnais en imaginant ces derniers, usé par quatre-vingt un ans de fonctionnement ininterrompu, aux prises avec des forces inconnues qui auraient pu donner du fil à retordre aux plus jeunes et au plus robustes des organismes. Mais l'instant suivant je me rappelais que les rêves ne sont que des rêves, et qu'au pire, ces visions pénibles ne pouvaient être que la réaction de mon oncle aux recherches et préoccupations qui nous avaient récemment absorbés à l'exclusion de tout autre sujet. Bien vite la conversation dissipa la sensation d'étrangeté que j'avais éprouvée, et cédant au bâillement, je finis par me coucher à mon tour. Mon oncle paraissait tout à fait réveillé, et très content de prendre son tour de garde, même si son cauchemar l'avait tiré du sommeil bien avant la fin de ces deux heures. Je m'endormis vite, et fus aussitôt hanté par des rêves de la pire espèce dans mes visions j'éprouvais une solitude cosmique épouvantable des forces hostiles se dressaient tout autour de la prison dans laquelle j'étais confiné je gisais attaché et bâillonné en proie au lointain hurlement railleur des multitudes qui avaient soif de mon sang le visage de mon oncle m'apparut sous un jour moins plaisant que dans la réalité et je me rappelle m'être vainement débattu et avoir essayé de crier sans plus de succès. Cette sieste n'eut rien d'agréable, et pendant un instant je ne fus pas mécontent qu'un hurlement strident fende les parois du rêve et me réveille en sursaut, en me mettant dans un état d'alerte qui me fit voir avec une netteté et un réalisme surnaturel ce qui se trouvait sous mes yeux. Comme je dormais le dos tourné vers la chaise sur laquelle était assis mon oncle, en me réveillant je ne vis que la porte qui donnait sur la rue, la fenêtre la plus au nord, et le sol, le mur et le plafond, eux aussi du côté nord de la pièce. Le tout s'imprima dans mon cerveau avec une netteté morbide, et une lumière d'une vivacité que ne pouvait expliquer la luminescence des champignons et les rayons des réverbères on ne pourrait la qualifier de forte, ni même d'assez forte. Elle était à coup sûr bien trop faible pour permettre de lire un livre classique, mais elle était suffisante pour projeter mon ombre, ainsi que celle du lit, et avait une nuance jaunâtre et un caractère pénétrant qui évoquait quelque chose de plus puissant qu'une simple lumière. Je perçus cela avec une netteté malsaine, et ce malgré le fait que deux autres de mes sens étaient assaillis avec violence. Car dans mes oreilles retentissait l'écho de ce hurlement bouleversant, cependant que mes narines se révoltaient sous l'effet de la puanteur qui envahissait les lieux. Mon esprit, aussi éveillé que mes sens, reconnut immédiatement la gravité de ces stimuli inhabituels. Et presque automatiquement, je me levais d'un bond et me retournais pour me saisir des armes que nous avions posées sur la tâche de moisissure devant la cheminée. Tout en me retournant, je redoutais ce que j'allais voir, car le cri provenait de la gorge de mon oncle, et j'ignorais contre quelle menace j'allais devoir le défendre ou me défendre moi-même. Cependant, ce que je vis était pire encore que ce que j'avais craint. Il y a des horreurs qui dépassent l'horreur, et j'avais devant moi l'un de ces nœuds de hideur cauchemardesque que l'univers réserve aux quelques malheureux, aux quelques condamnés qu'il veut détruire. De la terre infestée de champignons s'élevait, telles des volutes de vapeur, une lumière cadavérique d'un jaune morbide, dont la silhouette vague qui bouillonnait et clapotait était mi humaine, mi monstrueuse, et à travers laquelle je distinguais l'âtre. Elle était tout en nieux, des yeux de loup moqueur, et sa tête rugueuse d'insecte se dissolvait au sommet en une fine volute de brume qui décrivait d'écœurants méandres avant d'aller disparaître dans le conduit de cheminée. Je dis que j'ai vu cette chose mais ce n'est qu'en faisant un effort pour me rappeler la scène que j'ai pu donner un contour défini à cette haïssable parodie de silhouette. Sur le moment ne m'apparut qu'un répugnant nuage fongueux, bouillonnant et légèrement phosphorescent, qui enveloppait et dissolvait, jusqu'à le rendre horriblement malléable, le seul objet sur lequel j'étais vraiment concentré. Cet objet, c'était mon oncle. Le vénérable Elihu Whipple. Les traits noircis et putréfiés, il me regardait méchamment en bredouillant, et en proie à la rage qu'avait provoquée en lui cette horreur, tendait des serres dégoulinantes pour me tailler en pièces. C'est l'habitude qui m'épargna de sombrer dans la folie. Je m'étais préparé pour le moment crucial, et même si je ne savais à quoi m'attendre, cet entraînement me sauva la vie comprenant que le mal bouillonnant n'était pas de ces substances que peuvent atteindre la matière ou la chimie classique je renonçai au lance-flamme posé à ma gauche allumai le courant de tubes de Crookes et braquais sur cette scène à l'immortel caractère blasphématoire les plus puissantes radiations que le génie humain puisse susciter à partir des espaces et des fluides de la nature il y eut une brume bleuâtre, un crachotement frénétique, et la phosphorescence jaune perdit en intensité. Toutefois, je vis que c'était seulement le résultat du contraste lumineux, et que les ondes de la machine n'avaient strictement aucun effet. Alors, en plein milieu de ce spectacle démoniaque, je remarquai une nouvelle horreur qui m'arracha des cris et me fit fuir d'un pas chancelant vers la porte qui donnait sur la rue paisible, sans me préoccuper de lâcher des abominations sur le monde, ni m'inquiéter de la façon dont on me jugerait. Dans la faible lumière, mélange de jaune et de bleu, le corps de mon oncle avait entamé un repoussant processus de liquéfaction dont la nature échappe à toute description. Et au cours duquel son visage en décomposition subit des changements d'identité que seul un esprit dément pourrait concevoir. Il était à la fois démon et multitude, charnier et cortège. Éclairé par le mélange de couleurs vagues, la figure gélatineuse prit une dizaine, une vingtaine, une centaine d'apparences tout s'enfonçant vers le sol sur ce corps qui fondait comme du suif, un rictus sur cette caricature de légions étranges et cependant familières. Je reconnus les traits des Harris, hommes et femmes, adultes et enfants, et d'autres, jeunes ou vieux, grossiers ou raffinés, familiers ou inconnus, pendant une seconde apparut l'imitation dégradée d'une miniature de cette pauvre démente de Robbie Harris, miniature que j'avais vue au musée de l'École des Beaux-Arts. À un autre moment, je crus reconnaître le visage émacié de Mercy Dexter, dont j'avais vu le portrait chez Carrington Harris. On ne peut imaginer scène plus effroyable. Vers la fin, alors qu'un curieux visage mélangeant les traits d'un serviteur et d'un bébé tremblotait près du sol moisi sur lequel se répandait une flaque de graisse verdâtre, il me sembla que les traits changeants se disputaient le visage de mon oncle, qui s'efforçait de retrouver ses contours chaleureux. J'aime à penser qu'il existait encore à cet instant-là, et qu'il essayait de me dire adieu je crois avoir moi même octé un adieu malgré ma gorge desséchée, alors même que je sortais en titubant dans la rue. Un mince filet de graisse franchit la porte et me suivit jusque sur le trottoir trempé de pluie. Le reste est obscur et monstrueux. Il n'y avait personne dans la rue pluvieuse, et personne au monde à qui j'osais raconter l'incident je déambulai au hasard vers le sud, passai devant College Hill et l'Athénéum, descendis Hopkins Street, franchis le pont et entrai dans le quartier des affaires où je me sentais protégé par les hauts immeubles, comme les éléments matériels du monde moderne protègent ce dernier des merveilles malsaines d'autrefois. Puis l'aube grise déploya ses ailes humides à l'est l'antique colline et ses clochers vénérables se découpaient sur le ciel et m'attiraient vers l'endroit où j'avais laissé ma terrible tâche inachevée. Je finis par m'y rendre, trempé, tête nue et hébété dans la lumière matinale. Je refranchis cette porte maudite de Benefit Street que j'avais laissée entr'ouverte et qui continuait de battre mystérieusement sous le nez des propriétaires matinaux je n'osais adresser la parole. La graisse avait disparu à cause de la porosité du sol moisi, et devant la cheminée, il ne restait rien de la grande silhouette recroquevillée de salpêtre. Je regardais le lit, les chaises, les instruments, mon chapeau abandonné et le canotier de mon oncle. Mon hébétude était à son comble si bien que j'avais du mal à distinguer le rêve de la réalité. Puis, progressivement, je recouvrais ma capacité à réfléchir, et je compris que la réalité avait dépassé le rêve en matière d'horreur. Je m'assis et essayai, autant que ma santé mentale me le permit, de reconstituer les événements et de trouver comment mettre fin à l'horreur si elle avait bien été réelle la chose ne semblait ni matérielle, ni éthérée, ni composée d'une quelconque substance concevable par l'esprit humain. De quoi pouvait il s'agir, sinon de quelque émanation exotique, d'une de ces vapeurs vampires dont les paysans d'Exeter racontent qu'elles hantent certains cimetières? Pensant être sur une piste, je scrutai de nouveau le sol devant la cheminée, à l'endroit où la moisissure et le salpêtre avaient dessiné de drôles de formes. Au bout de dix minutes, ma décision était prise. Je pris mon chapeau et rentrai chez moi. Je pris un bain, déjeunai, et commandai par téléphone une pioche, une pelle, un masque à gaz militaire, et six bonbonnes d'acide sulfurique, à livrer le lendemain matin devant la porte de la cave maudite de Benefit Street. Après quoi je m'efforçais de dormir, et comme je n'y arrivais pas, je passais le temps en lisant et en composant des vers ineptes pour contrecarrer mon humeur. À onze heures, le lendemain, je commençais à creuser. Il faisait beau et j'en étais heureux. J'étais toujours seul, car même si je redoutais l'horreur inconnue que je recherchais, l'idée d'en parler à quiconque me faisait encore plus peur. Si plus tard j'ai raconté mon histoire à Harris, c'est uniquement parce qu'il le fallait, et parce que, ayant entendu d'étranges récits de la bouche de vieilles gens, il était plutôt prédisposé à me croire. Tandis que je retournais la terre noire et puante devant l'âtre, et que ma pelle faisait sourdre des champignons blancs, qu'elle tranchait un suintement visqueux et jaunâtre, je tremblais à l'idée de ce que j'allais peut-être découvrir. Certains secrets des entrailles de la terre ne sont pas bons pour l'humanité, et il me semblait être en présence de l'un d'eux. Mes mains avaient beau trembler nettement je continuais de creuser. Au bout d'un certain temps, je me trouvais debout dans le grand trou d'un mètre quatre-vingt de côté. À mesure que ce dernier s'approfondissait, l'odeur méphitique augmentait. Le doute n'était plus permis. J'allais rencontrer la chose diabolique dont les émanations hantaient la maison depuis plus d'un siècle et demi. Je me demandais à quoi elle ressemblait. Quelle serait sa forme, de quelle substance elle était faite, et quelle taille elle avait atteinte après toutes ces années à drainer les forces des vivants. Enfin je ressortis, dispersai la terre entassée, puis disposai les grandes bonbonnes d'acide autour du trou, sur deux côtés, afin de pouvoir, quand il le faudrait, les vider toutes et le plus vite possible dans la fosse. Ensuite, je repris mon ouvrage en rejetant la terre sur les deux autres côtés. Cette fois, je creusais plus lentement. J'enfilai mon masque en sentant la puanteur se préciser. J'étais au bord de la panique, car je me savais proche d'une créature indicible au fond d'une fosse. Tout à coup, ma pelle toucha une matière plus molle que la terre. D'un frisson, je faillis sortir du trou qui m'arrivait maintenant au cou. Toutefois, le courage me revint. Je grattai la surface à la lumière de la torche électrique que j'avais apportée. La matière que je découvris était lisse et visqueuse, comme de la gélatine à moitié pourrie et vaguement translucide. Grattant encore, je vis que la chose avait une forme, une partie d'elle était pliée dans une fissure, la section visible était énorme et à peu près cylindrique, sorte de tuyau de poils mou d'un blanc bleuâtre et replié sur lui-même. À l'endroit le plus large, la chose avait un diamètre d'environ soixante cm. Je grattai encore un peu, puis soudain, remontait d'un bond pour m'éloigner de cette écœurante créature. Avec l'énergie du désespoir, je débouchais et inclinai les lourdes bonbonnes pour renverser leur contenu corrosif dans cette fosse de charnier, sur cette anomalie impensable dont j'avais vu le coude titanesque. Je n'oublierai jamais le maelstrom aveuglant de vapeur jaune verdâtre qui surgit de la fosse. Tandis que se déversaient les flots d'acide. Partout sur la colline, les gens parlent encore du jour jaune, où des fumées virulentes et méphitiques s'élevèrent des déchets industriels rejetés dans la Providence River. Mais moi, je sais qu'ils se trompent quant à la source des émanations. Ils évoquent aussi le rugissement hideux qui monta, au même moment, d'une canalisation ou d'un collecteur de gaz défectueux. Et là encore, je pourrais les détromper si je l'osais. Cette expérience était absolument bouleversante et d'ailleurs je ne sais pas comment j'ai pu y survivre. En l'occurrence, je m'évanouis après avoir vidé la quatrième bonbonne, car les émanations avaient commencé à pénétrer mon masque. Mais en reprenant conscience, je vis que de la fosse ne montait plus aucune vapeur. Je déversai le contenu des deux dernières bonbonnes sans résultat particulier, puis au bout d'un certain temps, jugeai que je pouvais reboucher le trou. Je terminai au crépuscule, mais la peur avait quitté les lieux. L'atmosphère, bien que toujours humide, était moins fétide. Quant aux étranges champignons, ils s'étaient tous transformés en une sorte de poudre grisâtre d'apparence inoffensive que les courants d'air soufflaient comme de la cendre. La terreur, qui avait compté parmi les plus secrètes que la terre eût connues, était morte à jamais. Et s'il y avait un enfer, il venait enfin d'accueillir l'âme démoniaque de cette créature maléfique. Alors que j'aplatissais la dernière pelletée de terre moisie, je versais la première larme d'une longue série à la mémoire de mon oncle bien-aimé. Au printemps suivant, ne poussèrent ni plantes blanchâtres, ni mauvaises herbes étranges dans le jardin en terrasse de la maison maudite. Et Carrington eut au fait de louer cette dernière. Elle a toujours l'air d'une maison hantée, mais son étrangeté me fascine, et le jour où on la rasera pour construire un magasin de mauvais goût ou un vulgaire immeuble, j'éprouverai du soulagement, mais aussi un drôle de pincement. Les vieux arbres stériles du jardin ont commencé à donner de petites pommes sucrées, et l'année dernière, les oiseaux sont revenus nicher dans leurs branches noueuses.